veut juste savoir si le public est chaud pour un numéro de Diabolo. T'es chaud pour un numéro de Diabolo? Ouais. Ah, on n'a pas eu tout le monde, je vais la faire en bourbonnais. T'es chaud pour du yo-yo? Eh ben ça tombe très très bien. Voici donc la minute du Diabolo. Huit. Attends, il y en a qui se posent des questions. Hein? Ah oui, alors, qu'est-ce que le huit-tut-tut? Cela nous provient d'un pays lointain. Ah oui. Tellement lointain qu'on pourrait en faire un roman. Oh oui. Une épopée. Oh oui. Mais là, on n'a pas le temps. Vas-y, vous êtes prêts? Je suis prêt. Donc, le Diabolo huit-tut-tut. Un truc. Attends, c'est ça. Ah là, c'est bon. Ah non, je sais. J'ai oublié un deuxième truc. En fait, c'est que normalement, quand ça fait ça, là, je le reprends par-dessus. Après, je le lâche, je récupère la baguette, ce qui fait que je fais un petit tour. Ça fait pas mal. Ok, tant bien comme ça, que tu supportes le poids du tout, hein, c'est pas très lourd, mais le plus important en fait, c'est que ton doigt, il reste bien dans l'axe du Diabolo. D'accord? Parce qu'en fait, la suite du spectacle va dépendre de toi. Alors reste bien dans l'axe, hein, sinon il tombe et le spectacle s'arrête instantanément et tout le monde t'en voudra. C'est le seul moyen qu'on a trouvé dans ce spectacle pour moi, un coup. Merci! Alors, ouais, c'est pas grave, je t'expliquerai ce que c'est qu'un axe. Vous êtes dégueulasse. On reprend. J'avais besoin de vitesse.
Et là, c'est le suspense.